Si tu veux, je connais, j'ai joué. Ah, j'ai déjà joué. Ah, t'as dit, c'est trop dur, je sais pas quoi. Ah, mais c'est pour ça que je t'ai dit, mais j'ai déjà joué. En vrai, tu peux kiffer, toi. Bah, les gens, ils ont dit que j'allais trop kiffer. Faut que je fasse le tuto ou pas? Bah, oui. Je pense aussi. Je pense aussi. J'ai lancé, j'ai mis une nouvelle partie, j'ai relais en direct. La musique, elle est lourde ou pas? Ça a l'air pas mal là depuis le début là. Ou est-ce que ça fait mal au crâne au bout d'un moment? Bienvenue FTL, vous êtes le capitaine d'un vaisseau de la Fédération chargé d'une mission importante. Continuez. La Fédération est actuellement menacée de l'intérieur par les rebelles. Votre vaisseau transporte des données vitales pour sa défense. Vous allez devoir traverser de dangereux secteurs de la galaxie avec la flotte rebelle à votre housse. Atteignez la balise de sortie de chaque secteur avant qu'elle ne vous attrape. La vue du jeu normal vous propose votre vaisseau, le Kestrel. Ok. Will. Continuez. Voici les sous-systèmes de votre vaisseau. Contrairement au système, eux fonctionnent sans l'énergie du réacteur. Ok, je sais pas à quoi ça sert le sous-système. Amenez le curseur de votre souris sur un système pour obtenir des informations à son sujet. La salle correspond à... Ok. Ouvrir toutes les portes, ok. Votre jauge de code, vos boucliers et vos ressources sont en haut à gauche, ok. Ça, c'est la protection. Si la jauge tombe à zéro, le vaisseau explose, ok. Nombre de missiles, quantité de carburant, nombre de pièces de drone, état actuel des boucliers, esquive, 10% de chance d'esquive, niveau d'oxygène. Et là, on a que Will. Il faudrait bien d'y aller, mais on dirait que vos moteurs ne sont pas allumés. Les systèmes verts sont allumés, les blancs sont éteints et n'aident en rien le Kestrel. Ok. Faites un clic gauche sur les moteurs et le réacteur enverra de l'énergie à vos moteurs. La cam, merde, c'est... Après, je lis tout, de toute façon. Veillez à ce que vos systèmes vitaux soient bien alimentés en énergie. Un clic droit sur le système permet d'envoyer de son énergie ailleurs. Ok, incompris. Comment j'allume les moteurs du coup? Ah, c'est en bas, je crois. Ok. Oh non, votre salle de moteur a subi 2 points de dégâts. Son icône est rouge pour indiquer qu'elle est endommagée. Votre jauge de coque aussi a subi 2 points de dégâts. Ok, donc j'ai perdu là. Attention, moteur. Ok. Si vous voulez que je change vraiment la cam, je lis tous les mots en fait, hein, donc ça change rien. Votre équipage ne peut pas réparer la coque, mais les moteurs, si. Sélectionnez l'un de vos membres d'un clic gauche, puis clic gauche, faire glisser, permettre... Ok. Merci, c'est Kasai. Ok, ils vont réparer ça, ça me va. Après, le jeu a l'air incroyable. Les hommes d'équipage réparent automatiquement le système, luttent contre les incendies, réparent les trous et affrontent les intrus. Les combats, le manque d'oxygène et les flammes leur infligent des dégâts. Fantastique, vos moteurs ont été réparés. Les systèmes réparés tentent automatiquement de se rallumer pour revenir à leur niveau d'énergie préalable. Ok. Certains systèmes gagnent un bonus quand des hommes d'équipage y sont assignés. Ceux-ci sont automatiquement assignés au système fonctionnel dans leur salle. La silhouette au-dessus des 2 barres d'énergie indique si quelqu'un est assigné au système. Ok. Là, il y a les boucliers, plus ça. Oh non, un incendie s'est déclenché dans le SAS tribord. On pourrait envoyer des hommes pour l'éteindre, mais profitons des caractéristiques du SAS.
Ouvrir les portes permet de chasser l'oxygène dans cette section du vaisseau, ce qui éteint les flammes. Les salles deviennent roses quand l'oxygène s'échappe. L'oxygène revient lentement, mais il n'y a plus de fuite. Ok, donc là, faut attendre que ça régène, c'est ça. Maintenant que les moteurs ont été réparés, que l'incendie a été éteint, il est temps d'effectuer un saut supraluminique. Si vous n'avez pas de pilote, envoyez un homme d'équipage à la barre. C'est mon gars, oui, wesh. Quantité de carburant. Chaque saut consomme une unité de carburant, ok. Sans carburant, vous ne pourrez plus sauter. Vous devez aussi voir un homme au poste de pilotage et des moteurs chargés en énergie. Cliquez sur le bouton saut pour continuer. Ok, donc là, je dois choisir entre là à un endroit, quoi. On va aller là, c'est quoi. Merci, Burexu. Chaque fois que vous arrivez quelque part, de tels événements pourraient se produire. Des choix multiples s'offriront à vous. Dans cet exemple, un vaisseau pirate plutôt faible essaye de vous détruire. Lorsque vous disposez de certaines améliorations ou pièces d'équipement, des choix spéciaux en bleu s'offrent à vous. Ils sont presque toujours bons. Bienvenue au combat. C'est pas mal, frère. Hein. J'aime bien, moi, pour l'instant. Mais je sais pas où mettre la cam, par contre. Je vais la mettre ici, par exemple. En gros, on est un vaisseau et on doit avancer. Et il se passe des trucs random un peu tout le temps. Et du coup, on doit régler ses problèmes. On doit faire des choix. En putain de bonhomme. Bienvenue au combat. Utilisez la barre d'espace ou le bouton central de la souris pour mettre le jeu sur pause avant de réévaluer votre stratégie, de donner des instructions ou de distribuer votre puissance. Essayez de mettre le jeu sur pause. C'est où le play pause affiché sur l'écran? On voit pas. Vous devez charger votre arme pour pouvoir tirer la quantité d'énergie. Ah si, c'est écrit pause, je suis trop con. Le gauche permet de la changer. La charger, une arme chargée. Ok. Du coup, là, on va charger. Arme. Ah, je voulais mettre x2, mais je vais en mettre qu'un. Un clic gauche sur une arme chargée l'active. Visez une salle du vaisseau. D'un clic gauche, vous pouvez aussi accéder à vos armes grâce au raccourci 1-4. L'arme tire dès qu'elle est prête, sauf si le jeu est sur pause. Barre d'espace, ok. Donc on va viser. Je vais viser là. Comment je vise? Comment je vise la team? Ah ok, bah c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Ok, bah vas-y, on va allumer lui là. Oh non, votre canon laser de niveau 2 n'est pas assez puissant pour transpercer les boucliers de niveau 2 du pirate. Mais heureusement, lui non plus ne peut rien contre les vôtres. Note, vous gagnez un bouclier toutes les deux barres pleines sur vos boucliers. Ok. L'état actuel de votre bouclier. Ok. Je dirais que vous allez avoir besoin davantage d'aide pour abattre ces boucliers. Certains événements peuvent vous fournir des objets. Celui-ci met à votre disposition un lance-missile Artemis. Oh bah, comme par hasard, tu vois. Artemis a dû automatiquement être équipé dans un emplacement d'arbre. Hein. L'utiliser dépensera tous vos missiles, mais les missiles transpercent n'importe quel bouclier. Et boum. Ok. Let's go! Vous avez détruit tous les vaisseaux pirates. En fouillant les pas, vous récupérez de gauche à droite du carburant, des missiles. C'est 100 de carburant, ok. De la ferraille et une autre arme. Notez que les icônes de ressources des récompenses correspondent. Ok, c'est pas mal. Quand les systèmes ennemis sont endommagés ou détruits, leur icône devient orange ou rouge. Continue à tuer un système rouge, ne lui fait plus rien, mais continue d'endommager la coque ennemie. Un vaisseau dont la coque tombe à zéro explose. Ok. Si vous ne savez plus ce que représentent les icônes et les systèmes ennemis, passez le curseur sur les symboles verts. Ok. Ok, du coup, où est ça? Ceci est votre écran d'équipement, vous y trouverez des informations.
Ah, et je peux améliorer le vaisseau, ok. Voici votre écran d'amélioration qui correspond aux informations de système et permet de les améliorer à l'aide de ferraille. Ah, c'est ça la ferraille. C'est un carburant que j'ai gagné. Vous pouvez également améliorer votre réacteur en bas du milieu, ce qui est important pour alimenter tout votre vaisseau en énergie. Faites un clic gauche sur votre système d'armement pour l'améliorer. Ok, et là je peux choisir combien ça me coûte. Je vais revenir en arrière, ouais, ok. On améliore les moteurs. Ok, et maintenant, chargez votre nouvelle arme. J'ai pas assez de puissance là, team. Ah, il faut que j'éteigne puis que je... Ok, c'est bon, je fais. Dernière astuce, cliquez sur une arme et faites-la glisser pour changer sa place dans la barre du système d'armement. Votre système d'armement est endommagé, cette barre indique dans quel ordre vos armes sont vidées en énergie. Voilà, vous connaissez désormais les bases. Bonne chance, cliquez sur continuer pour quitter structure réelle. Ok. Je manque de visuel un peu, je trouve. Moi, je trouve ça beau, en vrai. Enfin, je veux dire, les dessins derrière, l'ambiance. Je vais aussi rompu chez les présentations de Team LFL. Bah, c'est un tuto qui t'explique tout, là. Je pense que vous êtes casse-couilles, en vrai, certains. Tranquille, wesh. C'est pas... De toute façon, on savait de base que c'était pas... C'était pas un jeu où ça allait sauter partout et tout, hein. Ouais, c'est juste le tuto. Trop bien ce jeu, vraiment. Non, mais ça a l'air bien, ça a l'air bien. Ok, du coup, là, je dois choisir ma game, en gros. Emplacement. Hein, pourquoi cacher les salles? Pour débloquer un nouveau vaisseau, deux options sont pour vous trouver et mener bien une quête unique dans le monde du jeu. Bon, pour l'instant, j'ai que le Kestrel. Hein. On va pas. Et pour l'instant, j'ai rien découvert. Ah, ok, parce qu'il y a trois types de vaisseaux. Ok. Je suis pas fan de ce type de jeu perso. Y'a pas de problème, frère. FTL OMG. En pleine découverte. Un jeu comme Temcram. Ouais, ouais. Après, je vais pas tarder à aller dormir. Hein. Je vais vers le début et je vais me tailler. Hein. Les données que vous transportez sont vitales. Ce qu'il reste de. Ok, bon, c'est le même truc qu'ils nous disent tout à l'heure. Astuce, améliorer vos portes réduit fortement les chances qu'un feu se propage d'une salle à une autre et ralentit considérablement la progression. Vas-y, let's go. Let's go découvrir. Bon, je pense que je vais faire n'importe quoi dans la première game, mais. Mais c'est la vie. J'aime bien les musiques, j'aime bien le jeu. Pour l'instant, on est trois. On a quelqu'un dans la salle des moteurs, quelqu'un dans la salle des armes. Un mec qui pilote. On va laisser une seule de puissance. On va charger nos armes. On va sauter. Hein. Là, je suis là. On va se rapprocher du centre, tiens. Croiser une colonie minière dans des astéroïdes qui vous contactent aussitôt. Bonjour, nous n'avons plus d'explosifs depuis que les rebelles imposent un blocus à ce système solaire. Vous n'en auriez pas en trop. Nous avons besoin pour notre opération d'extraction de minerais. On va faire le truc bleu, hein. Merci pour votre enthousiasme, mais nous n'avons pas... Nous avons des protocoles très stricts. Tout ce qui touche à l'utilisation d'explosifs, nous devons tirer un missile dans une galerie, passerait très mal auprès du syndicat des mineurs. Ah, j'ai que 5 missiles, mais le problème c'est que j'en ai que 8 quoi. Vas-y, j'ai envie d'être généreux. Ils vous remercient et vous proposent de demander à leurs ingénieurs d'améliorer votre réacteur. C'est rentable ou pas? Je pense que c'est rentable, non? À votre arrivée, vous remarquez de nombreux vaisseaux rassemblés autour d'une station qui communique en clair. Vous devez caler sur leur fréquence pour essayer, vous caler sur la fréquence pour essayer d'apprendre quelque chose d'intéressant. En écoutant leur conversation, vous apprenez qu'ils ont besoin de récupérer un vaisseau ennemi intact. Leur proposez vos services. Ils scannent rapidement le vaisseau et vous informent que vous n'êtes pas suffisamment bien équipé pour ce genre de mission. Ok, oh bah, des bouffons quoi. Pour l'instant, il n'y a aucun souci. On peut continuer.
Mais je vais déjà sortir, frère. En vrai, on a un meilleur vaste vaisseau. Vous tombez sur un vaisseau éclaireur de la flotte rebelle. Ils sont en train de charger leur générateur SPL. S'ils parviennent à s'enfuir, ils ne manqueront pas de dire à leur flotte où vous vous trouvez. Merde. Je vais tirer à la salle des moteurs. Ratatatatata. Est-ce qu'ils auront le temps de partir ou pas? Ils ont tiré là. Ils ont enlevé mon shield. Lui répare. J'ai plus de bouclier. Ok, j'ai gagné. Leur vaisseau se disloque, soulagé. Vous vous dites que vous avez réussi à conserver un peu d'avance sur leur flotte. Ok. 3 de carburant, 2 missiles et 18 de matière bizarre. Ok, Poto, va réparer là-bas, s'il te plaît. Là, du coup, on a 0 bouclier. Comment on fait pour augmenter nos... Ok. Bah, c'est parce qu'ils ont tapé là où il y avait nos boucliers. Ils sont pas cons, ces mecs-là. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Tranquille, on va le laisser réparer. Pourquoi il meurt? Oh, je crois que je lui ai sauvé la vie. Ah, mais parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Je suis trop un sgeg. Il a un HP. Talent pilotage, il a step up en pilotage. Esquive plus 5, niveau suivant 0.13, se charge. Ah, du coup, ça augmente leur. Si on n'améliorait pas nos shields. J'ouvre la porte comme ça, ça se propage, mais attention, oxygène. Oh putain de merde. J'ai ouvert la porte comme ça, ça aère. Non, tout le monde meurt. Mais comment je fais, frère? Non mais je me suis dit je vais aérer. Mais en fait je suis trop con. Bah ok, mais comment je répare l'oxygène? Putain, j'aurais pas dû me battre, ils m'ont baisé ces bâtards. Faut réparer. En bas. Mais je peux pas, frère, même je peux pas. Aucune puissance détruite, ajout de puissance, F. Je peux pas ajouter de la puissance. Ah mais du coup fallait que je répare là-bas, ok, donc j'avais raison à la base, mais du coup là c'est fini là en fait. Là ils meurent tous là, sinon il est mort, non? En fait je l'avais envoyé au début mais il y avait plus d'oxygène. En gros j'aurais dû les faire tourner là-bas, c'est ça? Rejouer c'est une autre partie? Rejouer c'est une autre partie? Enfin, quand je dis rejouer c'est une autre partie, c'est pas la même, on est d'accord. C'est re-random. Rejouer, ok, on y va. Non mais ces bâtards, ils ont tapé là où il y avait l'oxygène. Ça m'a baisé. Sortie là-bas. On s'approche de la sortie en balle. Cette balise a été construite pour une station spéciale, vous ne recevez aucun appel. Ok, bon, on continue, frère. Oh, il se passe rien, quoi. Oh là là. Vous détectez un éclaireur rebelle automatisé attaquant un petit avant-poste de ravitaillement. Intervenir pour éviter, pour défendre l'avant-poste. On intervient, frère.
Comprenant que vous représentez une plus grande menace, le vaisseau automatisé manœuvre pour vous affronter. Oh putain, j'aurais pas dû. Raté. Il a encore un bouclier. Non, faut vite que j'envoie réparer à l'O2 en fait. Comment je fais pour éteindre l'incendie du coup? Il peut l'éteindre, c'est bon, en balle. Je sais pas s'il peut tout éteindre, hein. Merde, reviens là toi. On va l'aider. C'est bon, c'est gagné. Ok, j'ai compris, du coup là j'ai réparé l'oxygène direct. C'est quoi le robot là? Vous recevez un message, merci beaucoup, on n'arrête pas. Et là ils nous ont rendu. Oh c'était bon. Mais j'ai pas eu beaucoup de pièces de drone moi. Je sais même pas à quoi ça sert, no joke. Ils m'ont pas encore dit. Je vais améliorer le vaisseau. De toute façon, le réacteur, ça augmente un peu tout, quoi. Donc, on va améliorer le réacteur. Et... oh, une boutique, on y va. Hein. T'as pas de drone encore. Bah ouais, mais ils m'ont pas expliqué. Ok, qu'est-ce qu'il a? Oh, j'aurais pu recruter des gens. Je suis dégoûté, frère. On répare et on achète des missiles. Ça y est, j'ai plus rien. Merci. Merci pour tout, la team. Vous reconnaissez le vaisseau comme celui d'esclavagiste d'Otoar. D'ailleurs, son capitaine vous contacte pour vous proposer de la main-d'œuvre bon marché. Acheter. Wesh. Acheter un esclave et le libérer pour qu'il vous rejoigne. Mais j'ai pas d'oseille. Attaquer ses pourritures. Ignorer. On attaque, frère. Stratégiquement. On va flinguer leur oxygène, je pense. En envoyant un Artemis et un double missile là-bas. Lui, il sert à rien au moteur, donc il va venir là. Lui, il sert à rien au pilotage, donc il va venir là aussi. Plus j'en mets, plus c'est de la dinguerie, non? On se rend, prenez l'un de nos esclaves. Si vous nous détruisez, ils vont mourir de toute façon. Merci, Luxray. No joke. Prends. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils mentent et on peut avoir mieux. Vas-y, tu sais quoi? Vas-y, José, viens là, ma gueule. Et je peux mentir et les attaquer quand même. Et lui, José, il est fort en quoi? Il est nul en tout, comme mes joueurs. Et Roper, c'est qui? Pourquoi il est low, ce bâtard? Wesh, c'est quoi ça? Il y a une menace fantôme qui arrive. On se rapproche de la sortie en balle. Hein. Si, je peux rename les persos, mais là, je suis trop fatigué. J'ai pas 5 missiles, désolé, la team. Sortie, j'ai gagné, frère. Vous êtes arrivé à la balise de longue portée, une fois le générateur SPL chargé, vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. Ah merde. Un étrange vaisseau approche et... ceci est un vaisseau marchand automatisé. Refusé, c'est nul ce qu'il me demande. J'ai un truc d'infirmerie, c'est quoi ça déjà?
quoi, à la rigueur, toi, va au bouclier, frère. Ah ouais, j'ai un truc d'infirmerie. Et elle peut pas se faire soigner, elle, là-bas? Ah si, c'est incroyable, c'est incroyable. Lui, il gère le bouclier, au calme, au calme. Faut de l'oseille, là. Je vais aller vers le truc détresse, je sais pas ce que c'est, frère. Vous découvrez un vaisseau de réfugiés dérivant dans l'espace. Apparemment, il fuyait devant les rebelles et a fini par tomber à court de carburant. Sa balise de détresse est allumée. Vous n'êtes pas sûr qu'il y ait quelqu'un à son bord. On va les contacter. Au moment même où vous contactez le vaisseau de réfugiés, un astronerf limace déboule dans le système solaire. L'autre appareil lui servait d'appât. Oh les bâtards. Lui, on va direct le mettre à l'oxygène. Missile Artemis dans l'eau 2. Laser RAF2 dans l'eau 2. Bang. Frère, on est trop lent pour tirer, je le jure, on est trop lent. Ils vont tirer avant nous? Ah non, c'est bon. Continue tout dans l'eau 2, frère. Ils ont un laser, ils ont tout raté. Mais on a... Ah, c'est bon, il répare le bouclier, c'est une légende. Répare le bouclier, ta grand-mère. Hop, 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 hop. Normalement, ça a éteint, là, non? La team. La team, on a des problèmes. Ça éteint pas, la team. Ah si, c'est bon, ça éteint. J'aère là, j'aère fort. Wesh wesh, Artemis. Il a un HP, sa grand-mère. Soigne-toi, poteau. C'est bon. Les réfugiés prétendent que les limaces les traquaient depuis qu'ils avaient quitté leur planète en signe de pauvreté. Ils me donnent du carburant, wesh, 8 de trucs, abusé. Tranquille, ça a été en balle. Et là, comment je fais pour que l'oxygène, ça se barre plus vite? Faut que je referme toutes les portes ou ça change rien? Faut juste attendre. Parce que là, si je l'envoie là-bas, il va canner, non? Ah non, comme ça, c'est bon. T'as pas l'air de perdre des HP. Ça va te heal un peu. Lui, il est full. Faudra qu'elle aille se heal aussi. On va les laisser réparer tranquillou. En attendant, on va voir ce qu'on peut améliorer. ...35 pour l'armement, l'oxygène, l'infirmerie, on s'en bat les couilles. À la rigueur, les boucliers, c'est bien d'améliorer ça. Je sais pas c'est quoi ce qui est rentable et tout, ça se trouve tout à l'heure je passe pour un clone mais... Et si t'allais l'aider à réparer toi? Hop, on a de nouveau un bouclier. Par contre on peut pas réparer le vaisseau? À part si on trouve dans un truc marchand? Je sais pas, on verra. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça en fait. La coque, ouais, je sais pas comment on répare la coque. Il y a une boutique là-bas, on y va. Hein. Là-bas, eux, ils réparent, mais le problème, c'est que j'ai utilisé tous mes trucs, je suis trop con. Bonjour, voyageurs, nous avons été attaqués par une bande de pirates et nous sommes maintenant dans l'obligation de vendre de l'équipement de valeur afin d'acquérir les provisions. Ok, bah vas-y, fais voir ce que t'as, ma gueule. Ah, bah ouais, bah c'est bien, mais. Thank you.
On va réparer vite fait, t'as vu. On va retourner à la sortie en bas. Et là, pourquoi je peux pas sortir? Ta grand-mère, il veut quoi? Ah, secteur suivant. Sous le contrôle de NG, sous le contrôle de Mantis. On va sous le contrôle de NG, en fait. Le jeu est incroyable, non? Voilà dans l'espace des Angies. Les temps sont durs pour ces formes de vie robotisées depuis la défaite de la Fédération. Mais en règle générale, elles acceptent d'aider les voyageurs spéciaux. Spatiaux, pardon. Ok, mais le problème, c'est que là, j'ai plus d'oseille, frère. On va aller dans le truc des détresses, mais... Vous découvrez plusieurs vaisseaux en train de s'enfuir d'une petite station spatiale. Vous les contactez en leur demandant quel est le problème. Nous sommes fait attaquer par des araignées géantes aliens, vous répond-il. Envoyez vos hommes les aider, les araignées... Ça n'est pas une blague. Hut est mort. Putain. Vos hommes avancent lentement dans la station, faisant preuve d'une grande prudence. Soudain, une énorme arachnide jaillit d'un conduit d'aération dans le plafond, suivi d'un grand nombre d'autres. Vous êtes obligé de revenir juste au sas. Ah putain, on est mort. On n'a rien gagné en plus. Il va prendre sa place. Putain, ça fait chier ça. Ça commence à être bizarre, les gars, là. On est dans la merde, j'ai l'impression. On est dans une belle merde, là. Oh non, putain. On peut esquiver? Ah, on est mort, là, 100%. T'es mal, vaisseau. On peut pas fuir? Y'a pas une fuite? Non, y'a pas de fuite, hein. C'est... Merci Jilan BN. Les gars, c'est submode là, enlever le submode, non? Pas de fuite, Chad, on y va. Et si j'attaquais, bah je suis mort là, frère, non? Même ce qu'il a niqué l'O2, ça veut dire là, c'est bizarre là. Il a encore son bouclier, ce fils de pute. Je vous en prie, ne nous tuez pas, on vous donnera tout ce qu'on a. Refusez leur reddition. Ou bien accepter. Je suis un peu dans la merde là en ça. Non mais en fait, le problème, c'est que mon oxygène là, elle est baisée en fait. Si je répare pas mon oxygène, je meurs. Et le temps de les tuer, je perds trop de temps. Refuser les redditions, je vais vous baiser, moi, vous allez voir. J'ai plus de balles, je crois que j'ai troll sa grand-mère. Et c'est bon. Voilà. Répare. Va te heal. Répare. Ah non, en fait, ça reset à chaque fois. On est baisé en fait. Je peux jamais réparer. À part si on est deux à réparer et que du coup le poteau il sort. Ce qu'on appelle une intelligence inuit. La musique est incroyable. Ça, c'est pas le genre de musique que j'écoute, mais... J'essaie de reconnaître quelque chose de bien quand c'est bien. On retourne au moteur. On est d'accord, Rupert, c'est elle qui s'occupe de l'armement. Talent moteur réparation. Ah merde. Ah bah c'est bon, moteur réparation. Et ce kick, c'est moteur réparation arme. Et tout le poteau. Avançons l'équipe, avançons.
Dès que vous arrivez dans le système, vous recevez un appel provenant d'un vaisseau civil Engi. Leur capitaine apparaît votre écran, problème étrange. Pouvez-vous nous aider à régler? Il n'y a que des problèmes, frère. Trouver Mantis bizarre, croire être humain et accepte uniquement d'aider humains. Évaluation danger extrêmement important. Assistance requise. On va envoyer un membre d'équipage Mantis discuter avec le Mantis. Le Mantis est terrifié en voyant arriver votre membre d'équipage. Il attaque aussitôt les NJ qui l'ont secouru et votre homme n'a d'autre choix que de les tuer. Les NJ vous offrent une petite récompense pour vous remercier. Eh bien, merci, ça fait plaisir. Je vais économiser mes points au lieu d'améliorer mon vaisseau parce que je vais devoir réparer. Et si on trouve une boutique, j'aimerais bien pouvoir acheter aussi là-bas. Là, on est à 20% d'esquive. Amélioration du système est requise. Ok. Après, ça compte rien en fait. On avait des points depuis tout à l'heure ici à utiliser. Bon. So. Next. Merci, Draken Xu. Les NJ vous attendent à côté de la balise, mais leurs armes sont actives. Ils vous expliquent que vous avez à votre bord un virus informatique recherché pour plusieurs actes hostiles contre leur espèce. Brouillage binaire multiple, nanodissolution et autres interférences diverses et variées. Ils insistent, ils vont devoir détruire votre vaisseau pour empêcher le virus de s'enfuir. Réinitialiser les ordinateurs de votre moteur et de vos boucliers ne sert à rien. Ah merde, au bout du compte, vous parvenez à piéger le virus dans votre système d'armement. Mais avant que vous ne puissiez le purger, les NJ perdent patience et attaquent. Mais je suis baisé là, frère. Ça y est, frère, ce jeu, ils font que de m'attaquer. Mais je suis baisé, je suis mort là. La vie, c'est terminé. J'ai même plus d'armes. Répare instant, quoi, je veux rien savoir. Bah, j'ai plus de balles là. Je peux pas fuir. Je fais quoi quand c'est comme ça? Il y a plus rien là, je suis mort. Pause. Si j'ai plus de balles, c'est FF en fait. Chargement FF, frère. Il me reste 2 HP dans ma coque. T'as un laser. Bah non, il n'y a pas assez de puissance. J'avais rien. Non, dommage. Dommage, dommage. Bon, en vrai, je kiffe le jeu de fou. Je vais forcément y rejouer. Une last. Non, non, non. Non, 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 mec. Dommage, rendez-vous. J'aimerais bien être en forme. J'aimerais bien être bien. Ouais, ouais, j'ai vu. En fait, dès que tu mets quelqu'un dans le pilote, tu peux fuir sa charge. Je me disais aussi, c'est compliqué, frère. L'apprentissage est un peu brutal, mais bon courage. Non, mais ça va, en vrai. J'ai compris la plupart des aspects du jeu. Maintenant, il va juste falloir que je me fasse casser la gueule et que bah, j'apprenne au fur et à mesure. Mais j'ai vraiment kiffé le jeu, no joke. No joke, c'est... Je vais cramer le jeu. Je vais cramer le jeu. C'est mon jeu de nuit. C'est mon jeu de nuit. La BO du jeu était un banger total. Je suis d'accord, c'est la première fois. Enfin, c'est pas la première fois, mais...